就是。Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive... Salut, Norm. Comment tu vas? Ouais, j'avoue que ça fait très très longtemps que j'ai pas trop gros stream. Je te vois, Elisabeth. Tu m'attends, même si tu es morte depuis 1000 ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Ah ouais? Bah tu prépares quoi du coup? Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, mais voilà Aloy, la sauveuse de Méridian, l'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens? Je n'aime pas trop les fêtes. Ah ouais, c'est plutôt cool ça.
Bah moi j'ai réouvert mon serveur RP sur Fave même moi. Mais putain bah c'est cool ça en vrai, franchement bravo. En espérant que ça marche hein. Alors on fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines? Ou bien tout ça a un rapport avec la Nielle? Les deux, en fait. Mais... je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données? Les informations de l'appareil, tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça? Depuis mon enfance. En route. C'est bon? J'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. Le focus t'aide à repérer celles qu'il nous faut. Là. Ces plantes près du ruisseau feront l'affaire. Ouais, mais au moins elles sont efficaces. Allez, il faut continuer. On devrait en cueillir d'autres pendant le trajet. Oui, bonne idée. Je ne sais pas qui a mis ces cordes ici, mais on peut les utiliser pour glisser jusqu'en bas. Tu as trouvé quelque chose? Oui, des provisions. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? La copie, eh ben, c'est une IA. C'est dur à expliquer. Disons que
C'est un ensemble d'instructions pour réparer le monde. Ça a l'air. J'ai remarqué que vous voyagez léger en ce moment. Oui, j'ai eu des problèmes en venant et j'ai perdu pas mal d'équipements. Des étincelles. Toujours en train de piller des carcasses de machines. Et elles sont. On dirait qu'elles ont laissé une carcasse. Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Allons voir ça de plus près. Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Il y a des cannes de rivage près du ruisseau. Bon, je dois fabriquer des flèches. Voilà. Moi aussi. Mes flèches sont prêtes. Il y a une échelle. Mais on ne peut pas l'atteindre d'ici. On devrait pouvoir débloquer ça avec une flèche. Ah bah c'est cool si t'es pas devant stream du FIFA. Transmission, le message que j'ai trouvé ne le disait pas, seulement qu'il y avait peut-être une copie. Il faut trouver une entrée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridian? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Oui, c'était le cas. La Niel ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. On dirait que la Niel est venue jusqu'ici. On descend. Dans les hautes herbes. Je n'avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ces machines mortes l'ont alerté. Comment tu veux procéder? Le focus nous aidera. On peut scanner les machines avant de rétablir. D'accord. Attends une seconde. Bon. Tu vois les parties qui brillent? Ce sont ses points faibles. Compris. Son œil, c'est un point faible. C'est ça. Bon, je suis prêt.
voilà un autre. Comment le focus, c'est tout ça? Il lit les données sur les machines. Comme un chasseur qui étudie sa proie. Oui, si tu veux. Et donc, après la nouvelle de mon départ, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin de la fête, ma mère a ramené les noragies. Et le roi soleil a appelé les citoyens pour réparer la vie. Et je suis parti à ta recherche. T'as dit que tu avais un refus de tout ce que tu fais. Ouais. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. On va dans les ruines des anciens. Et la déesse nous protège. Ça va aller, Varl. Bienvenue sur le site de lancement de Zénith Lointain. Zénith Lointain? Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Obzero, mais... pourquoi ils auraient une copie de Gaïa? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider, Docteur Sobek. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. Bon, trouvons un passage. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Autorisation non reconnue. On devrait pouvoir forcer cette porte. Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. Ceux qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Où ils sont maintenant ? Oh, qu'est-ce que ça sent ? Un campement entier. Détruit. Ils ont dû venir récupérer des pièces. De l'acide. Ça explique cette odeur. On dirait que quelque chose de gros est arrivé d'en haut. Ça s'est écrasé sur le campement. Et s'est passé à travers le mur. Je devrais aller voir les gravats dans ce trou. La chose qui est passée par là a tout détruit en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Je trouverai peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Aloy, par ici. Je crois que j'ai quelque chose. C'est une sorte de prototype au sérum, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Le focus peut nous aider à fouiller le camp et à trouver de quoi réparer cet outil. Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. Le pauvre. L'acide a traversé son armure. Un câble de machine, plus solide qu'une corde. Une pièce de machine, elle pourrait servir à réparer l'outil. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Voire pour en faire quelque chose de mieux. Tu peux utiliser cet établi?
voilà un attracteur. Allons le tester sur les débris. Encore mieux que ce que je pensais. J'ai l'impression que ça va pas être simple de sortir d'ici. Je devrais scanner la zone. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. Qu'est-ce que c'est ? Oh, bonjour. Je suis Oswald Dalgard. Et je suis ravi de vous présenter Zénith Lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles. Même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre, veuillez vous rendre à l'auditorium où nous vous présenterons notre projet. Je me demande ce qu'il y a dans cette... auditorium. On va pas tarder à le savoir. Je devrais activer mon focus et voir ce que je peux faire. L'impulsion n'a rien donné. Je ferais mieux de scanner. Je devrais activer mon focus et scanner la zone. Je devrais pouvoir monter là-haut. Parfait. Ça a marché. Cet attracteur est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Bon, je dois faire descendre l'échelle pour Varl. Mon attracteur va pas jusque là-bas. Je dois me rapprocher. Merci. Les humains, les Homo sapiens, nous,
Nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivhumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, au milieu des étoiles? Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il y a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa? Pour leur colonie? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver? Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals. Chez Zénith lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore... comment? Alors, ce qu'il disait là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. Trouver un autre moyen. Bien. Je n'arrive pas à croire que les anciens volaient. Ils étaient capables de bien des choses. Pour le meilleur et pour le pire. On dirait bien, oui. Je me demande comment c'est d'être là-haut, parmi les étoiles. Et on continue d'avancer dans les ruines. Là-haut.
tient pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. Bon, tu prends celle de gauche. Je m'occupe de celle de droite. Compris. Je vais monter. Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance. On va me faire voir. Je ferai mieux de scanner pour vérifier son itinéraire des patrouilles. D'accord. Voilà sa patrouille. Je dois me rapprocher. Mince, repérez-le. Je vais monter. Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance. Je dois pas le faire voir. Je ferai mieux de scanner pour vérifier son itinéraire de patrouille. Je dois me rapprocher et ne pas me faire repérer. Je peux jeter un caillou pour la distraire. L'attirer à un endroit où je peux l'attaquer discrètement. Juste attendre le bon moment. C'est le moment. Voilà. Je vais l'achever et je lance. C'est bon, ici aussi. Il y a d'autres machines droit devant. Ça devrait pas nous poser de problème. Il n'y en a plus. Au fait, je voulais te dire, j'ai remarqué que t'avais un style différent. Oui, je sais. J'ai pas pris le temps de me raser quand j'essayais de te rattraper. T'en fais pas, c'est temporaire. Tant mieux. Désolé que mes moustaches t'offensent, élu. On dirait que ce petit père a été pris dans la nielle. Il n'a pas pu s'échapper. J'espère qu'il n'a pas trop souffert. Les Océram ont dû utiliser des explosifs contre les machines. Ils ont réussi à en avoir quelques-unes. On dirait qu'il y avait une barricade ici.
Des machines ont dû l'enfoncer. Je garde ça pour plus tard. Cet océram n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Attention, il y a des pièges. Oh. Je pourrais peut-être les désarmer. Regarde. J'ai pu récupérer du matériel. Essaie de ne pas te faire sauter. Et j'ai récupéré du matériel. On dirait un autre camp. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges ? Ça pourrait nous aider contre les machines. Bonne idée. Ça peut me servir. Bon, j'ai ce qu'il me faut pour faire un piège. Voilà, un piège explosif. Si quelque chose passe par ici, il va avoir une surprise. Par ici, à l'œil. Je crois que j'ai trouvé un moyen de monter. Machine droit devant. Je ne crois pas qu'elle nous ait vus. Je devrais les scanner. J'ai déjà vu cette machine. Un billard. Voyons qu'elle s'est faite. On pourrait peut-être poser l'un des pièges que t'as pris sur sa route. Bon. On peut continuer. T'as connu beaucoup de ruines de l'ancien monde ? Elles sont toutes comme ça. Elles ont toutes leurs secrets, mais chacune est différente.
grosse tempête se prépare dehors. Oui. Elles sont de plus en plus violentes. Et fréquentes. Les tempêtes, les terres contaminées, les rivières et les lacs envahis d'algues. Tu es né pour arranger tout ça? Oui. Je pourrais le faire que si je trouve cette copie. Je crois qu'on est en train de contourner le centre de données. On va devoir traverser ce grand bâtiment sur la droite. On va devoir grimper. L'endroit est en train de s'effondrer. En même temps, il a 1000 ans. On dirait une sorte de salle de réunion. La porte de l'autre côté est verrouillée. Anzu ? Le système de terraformation d'Aube Zéro. La création du docteur Elisabeth Sobeck. Alimenté par 9 fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube Zéro. Statut fait. Phase 2, la cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Aube Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque, la découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Aube Zéro conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole Hades. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le Dr Sobeck elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète est jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zénith lointain a volé Gaïa. À l'œil, pourquoi cette femme te ressemble ? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle? Parce que je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-Mère. Est-ce que c'était Gaïa ? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr ? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au focus. En attendant... Le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Intéressant. Aloy, par ici. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous servir. Une arme? Merci, Varl. Il faut qu'on continue. Après toi.
En bas. Je crois qu'on est proche de la sortie. Bien. Essayez cette nouvelle arme dessus. Partout. Cette grosse machine a dû les attaquer quand ils fuyaient. Ils n'avaient aucune chance. Tu as dit que cette copie était notre dernier espoir ? Ouais. Tous ces endroits où je suis allée ces derniers mois. Il devait y avoir d'autres côtés. Mais, il y a 1000 ans, un certain Ted Faro les a tués. Vous êtes parti de Tennis Pointin ? Non. Il était pire. D'autres sérames. Les machines les ont tous massacrés. Des machines patrouillent là-bas. On peut les marquer via le focus pour les garder à l'œil. La machine a traversé le mur.
y a une échelle à l'arrière. En fait, je voulais savoir, Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux Terres Sacrées ? En tant que chef de guerre Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être ? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. De ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Oseram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc ? Comment ? Je vais trouver. Attends-moi là. À l'œil ! Je reviens. Et elle est repartie. Il suffit d'atteindre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Il suffit d'atteindre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin.